Sen miydin iş? Hamide şer. Sen nerede şuna? Buyur. Gel. Dur. Bir defa kufandım o aynatı geldik ya. Dur, arama kadar. Comment les téléspectateurs occidentaux doivent se demander comment une petite vallée comme la vôtre, avec 5000 hommes mais seulement 700 armes, arrive à tenir en échec l'armée réputée la plus puissante du monde, l'armée rouge? Bien. Je pense que c'est à cause de 4 choses. Première, c'est ça que mes combattants tous. Et ils sont aimés. Faire la guerre avec l'ennemi pour gagner le Jannat. Ils ont réfléchi comme ça, ils ont pensé que nous, si nous mourons, nous gagnons le Jannat. La djihad? La djihad. C'est-à-dire la guerre sainte? Jannat. Jannat. Le jardin de Dieu. Oui. Vous connaissez? C'est-à-dire que les moudjahides qui meurent gagnent le jardin de Dieu? Gagnent le Jannat. Et à cause de ça, ils n'apportent pas de mort. Oui, tout. La première chose, c'est la l'aide de Dieu. Et la deuxième chose, c'est que nous, Moudjahides, tous sont très courageux. Oui. Et ils sont, maintenant, pour la guerre, ils sont complets. Comment on dit en français? Complets. Ils sont prêts? Ils sont prêts pour commencer la guerre, pour continuer la guerre. Troisième chose, ça c'est la structure de la vallée. C'est la montagne, les rivières. Pour nous, c'est très bien. Et pour l'ennemi, c'est très mauvais. C'est quatrième chose, c'est ça que l'ennemi ne connaît pas. Ne connaît pas où est la cheminée. Oui. Et il n'est pas très, il ne comprend pas bien les montagnes et d'autres choses.